Hello tout le monde. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. Nous, on va bien. On peut ça va dire bien. Que ça va. Oui, ça, oui, va. Ça va. Mais comme vous pouvez voir, on a eu des changements. Ouais. On a un nouvel appartement. C'est parce qu'on est rentré en Estonie. Voilà. Franchement, nous sommes contents parce qu'on a un nouvel appartement. Franchement, on est un peu triste aussi parce que... Il fait froid. Il fait juste froid en fait. Il fait très froid dehors, c'est juste insupportable. Quand je sors dehors, j'ai juste très mal au nez. Ouais. Donc pourquoi on a la tenue comme ça? C'est pas la tenue estonienne. Les Camerounais avaient compris que c'est la tenue camerounaise, hein. Aujourd'hui, on va vous montrer ce qu'on avait acheté au Cameroun, ce qu'on a ramené en Estonie. On a acheté pas mal de choses et ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ouais, donc c'est parti. Pour la première chose, c'est... Bah, c'est la tenue déjà. La tenue déjà. Et c'est tout. Et les vidéos finies. Avec le petit avec chapeau. Petit chat, petit. Petit, oui. C'est vraiment petit. Ça, vraiment, faut... J'espère que je le porte bien. Hein. J'espère que les Camerounais ne vont pas... Non, bah, moi, je porte ça un peu comme le béret. Oui, du coup, oui. Ça a l'air comme si on fait la cuisine. On ouais, est ouais, ouais. Chef. C'est surtout ça. Toi. Oui. Aussi comme ça. Oh, m'enlève pas mon chapeau. Dans tout notre voyage, on voulait acheter la tenue camerounaise, la tenue traditionnelle. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de l'acheter. Mais le dernier jour, quand on était à Kribi, nos amis nous avaient offert ça. Wow. Et on était hyper contents. Et oui, maintenant, on va porter ça ici. Ah oui, préparez-vous les collègues. Ce que tu as acheté, montre-nous. Voilà, donc j'ai acheté la ça. La présentation. Voilà. C'est un t-shirt, chemise, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est comme quand même quelque chose que je peux porter ici en Europe sans, on va dire, sans trop que ça fasse bizarre. Ouais, sans être gêné. Voilà, j'aime beaucoup. Ce t-shirt, ouais, il est très beau. Et deuxième chose, ça c'est plus classique, Nike. On va dire. Ça c'est un polo. J'aime beaucoup les couleurs. Il est assez chaud. Mais surtout, ce que j'adore, c'est que c'est Nike. Bon, c'est pas vraiment sûr que ouais, c'est vrai pas Nike. Vraiment, hein. Parce que le prix a dit que non, c'est pas ça. Voilà, le prix a dit que c'était pas Nike. Voilà, et j'aime beaucoup aussi ce polo. Très content d'avoir trouvé ça. On continue avec moi. Moi, j'ai acheté. C'est plus compliqué pour la robe. C'est plus compliqué, oui. Moi, j'ai acheté la robe rouge et je l'adore juste. Ça me va très bien. Oh oui. Donc le prix était un peu européen, mais oui, je peux pas dire que c'est vraiment, ça devait vraiment être... La qualité n'est pas... un prix européen. Mais moi, j'adore vraiment cette robe et je vais la porter pendant quelques années, je pense pendant plusieurs années, je vais porter ça. Voilà. Deuxième chose, c'est aussi la robe. Ça avec les fleurs pour l'été, avec les perles. Qui sont collés et on peut juste voir la colle. Ah oui. Ça a l'air cher. C'était aussi le prix européen et je pense que ça pourrait être moins cher que ça. Mais moi j'aime beaucoup les couleurs, ça me va aussi très bien. Donc c'est sûr que je vais la porter pendant quelques années. Alors voilà, une robe comme ça. Et comme vous pouvez voir, je vous montre cette colle ici. Voilà, très beau. Les cravates étaient plutôt belles, donc j'en ai acheté plusieurs, certaines pour les amis ici qu'on va offrir. Et ça, c'est celle que j'ai pour moi. Donc une cravate noire avec les points blancs. Elle est très jolie. Hein. Très classique. Elle est très classique et avec le costume, comme tu peux mettre ça avec tout, c'est très bien. Une cravate bleu clair, pareil. Assez classique, il me faut des cravates qui sont claires, donc ça va beaucoup me plaire. On a acheté plusieurs bijoux comme les boucles d'oreilles, aussi pour les amis, pour moi, etc. Bracelets qui sont avec la carte de l'Afrique, un collier des coquillages qui va juste comme ça ici, je vais montrer après dans la vidéo, ça va être très très beau. Et j'adore porter ça avec cette robe rouge parce que ça va très bien et j'aime beaucoup le style. Tout se trouve dans ce paquet. On a acheté ça pour les amis, pour nous, et les porte-clés aussi. Oui, il y en a aussi les porte-clés, les ananas, les éléphants, les différents visages, les rhinocéros. Pour moi, j'ai acheté aussi les boucles d'oreilles, comme ça. Ils sont assez grands, mais je pense que ça me va. Non, ça va t'aller. Ouais. Ça va t'aller. Ça va m'aller. Ok.
Dans l'âme, tu es très sensible, Quentin. Tout est bien. Regardez, très bien, oui. Ça... Oui, aussi, de mes amis, j'avais les cadeaux, les boucles d'oreilles qui sont comme ça aussi, un peu comme les macaronis noirs. On a aussi acheté les statues d'éléphants comme ça. Donc ça, c'est pour offrir parce que on a déjà la déco dans l'appartement. On vous montrera aussi parce que on a acheté ça en Afrique. Ça peut paraître bizarre peut-être pour certains gens, mais on a les arachides avec nous. Juste notre ami a fait ça pour nous, Voilà. pour notre voyage. Je ne sais pas trop comment c'est Comment fait, se faire mais à l'intérieur de ça, il y a une arachide. Voilà. C'est pas très salé, c'est juste C'est juste une arachide. nature, mais c'est très bon. Juste Voilà. pour grignoter comme snack, c'est bon. Mais après, ça crée des problèmes. Pas dépasser les limites, les gens. Il y a des problèmes. Et attention avec les arachides. Ensuite, c'est les choses qui sont sucrées et c'est les confitures qui ont les différents goûts, par exemple ananas oseille ou papaye orange fruit de la passion. Confiture ananas coco. Donc, je pense que c'est très 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 bon. On a acheté aussi, il nous reste encore là-bas, mais c'est la même chose que fruit de la passion, papaye orange. Ça va Voilà. être pour les cadeaux aussi. Ensuite, Quentin a acheté un sac pour lui. Ça lui va très. On a acheté aussi un sac comme ça ne coûtait pas très cher. Ça coûtait 2 euros et c'est, on peut dire, handmade. Et j'apprécie beaucoup handmade, les gens. C'est très bon, je pense que je vais porter ça un été. Et ben, oui, évidemment, comme parfois, peut-être ici, il y a les trucs un peu bizarres, tout ça, mais quoi faire? Quoi Ça faire? va, Si ça va. ça coûtait 2 euros, Faut ça accepter. va, il faut accepter vraiment. Et du coup, on voulait en acheter un peu plus de ces sacs, mais on n'a jamais retrouvé le vendeur. Oui, oh, si, le vendeur, si tu regardes cette vidéo, on te cherchait pendant quelques jours, on te cherchait à Kribi dans Le tout le marché marché, central. dans le marché central, et on ne t'a pas trouvé. Si on pouvait te trouver ce jour-là, on aurait pu acheter pas mal de sacs pour nous, Voilà. mais malheureusement, oui, on ne t'a pas trouvé. Au Cameroun, à Kribi surtout, on a vu beaucoup, beaucoup de fruits, juste comme ça sur les arbres. Et pour nous, c'est vraiment choquant que tu peux aller chercher les avocats, aller chercher les mangues, et puis vendre ça comme ça. Voilà. Mais ça, c'était de notre ami. Et certains avocats, j'ai déjà donné à mon frère. Les avocats du Cameroun, ils sont Très très bon, bons. Juste, très mon bon. frère, il a essayé ça hier, il a dit qu'ils sont formidables. Comme le goût est juste. Formidable. Donc, on a 3 avocats, ça va être pour ma mère. C'était gratuit pour nous. Du coup, il y avait aussi une autre chose qu'on a eue mais qu'on ne peut pas montrer là, c'est la canne à sucre. Canne à sucre qui était perdue avec nos valises n'importe où et nos valises sont venues un autre jour. Très cool, notre canne à sucre, il était après rouge et mon frère, il a essayé hier, il a coupé, il a dit que ça va. Tout va bien, ok. Qu'il est bon. Il veut aussi faire un smoothie avec ça, je sais pas comment ça va être. C'est Les les chapeaux qui chapeaux, font comme ça. On a voilà. acheté ça à Kribi, à côté de chute de la Lobée. Ça, c'est très beau. Et quand j'ai vu ça, je dis à Quentin que bah, c'est pour lui. Et oui, il me va très bien. Donc, les chapeaux comme ça qu'on va porter aussi en été avec les tenues différentes. Les amis, on vous a oublié de montrer aussi une peinture qu'on a achetée d'une personne formidable de Kribi. Et on adore vraiment cette peinture, on aime beaucoup le style. On oubliait aussi de vous montrer les statues, comme ça, les statues africaines. Et voilà, ça c'est tout mon design ici. Donc, ça c'est ce qu'on a acheté au Cameroun. On a beaucoup aimé ce voyage, c'était un voyage juste fantastique. On ne va jamais oublier Jamais oublié ça, c'est pas possible. les moments qu'on a eus. C'était vraiment incroyable et c'est pour ça qu'on est content d'avoir tout ça pour nous Oui. rappeler ce voyage. C'est bien qu'on ait pu le faire pendant 3 mois parce que pendant quelques semaines, c'est pas aussi intéressant. Oui, c'est ça. Donc c'était vraiment très bien. Nous sommes un peu tristes qu'on a quitté Cameroun et que nous sommes maintenant dans le froid comme ça. Mais quoi faire parce que Continue. la vie continue et c'est vrai qu'on va faire les autres voyages et j'espère que vous allez voir les autres pages aussi. Vous allez continuer de regarder mes vidéos. Et oui, merci beaucoup que vous avez. D'avoir regardé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Mais je dis d'habitude, bien sûr Ok. que vous avez regardé cette vidéo.
C'est compréhensible. Oui. C'est bien fait quand les gens comprennent. Si je dis comme ça, hein, toi, un français insupportable! C'est bien, Pandage, que pas de violence de la famille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à bientôt. À bientôt.